days has left many residents in some of the pair. Why are you doing this? The pretties my little girl has given me! Eh bien c'est tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 3 de nos vidéos interdites. Nous avions fait la chambre et 21, on se retrouve donc pour la partie fille. Revivez le début de l'histoire tragique des Baker. Alors il faut savoir une chose les amis, c'est que j'ai déjà fait une tentative de record de cette vidéo qui a duré 35 minutes à peu près. Et malheureusement c'était une mauvaise fin. C'est-à-dire qu'il se passait pas grand-chose, je vous expliquerai ça en fin de vidéo. Si vraiment vous voulez la voir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais vous la mettre le week-end prochain. Et je me suis dit, la fin est nulle, la fin est littéralement nulle. Est-ce qu'il y a une bonne fin? Et oui, il y avait une bonne fin, mais il y avait des choses très, 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 très compliquées à faire. Je vais vous le montrer, on est parti pour le DLC Fille. Moi, je le connais, mais ça va être une découverte pour vous. Donc, prenez de quoi boire, de quoi manger, et on va s'enjailler. Par un soir de tempête, il y a 3 ans, les Baker étaient une famille tout à fait ordinaire. Ce soir-là, alors que la pluie s'abat sur les vitres de la maison, la famille est attablée, prête à partager un moment paisible et convivial. Il est loin de se douter de ce qui les attend. À la une aujourd'hui, les pluies diluviennes dues au passage de l'ouragan cette semaine devraient cesser demain matin, alors que la tempête se déplace. Dans le golfe, les secours passent la côte au peigne fin pour retrouver un navire porté disparu. Plus de détails sur les recherches dans un instant. Mais d'abord, revenons sur les pluies records de ces derniers jours qui ont provoqué plusieurs inondations et laissé de nombreux habitants les pieds dans l'eau. Comme on peut le voir ici, la perturbation se déplace vers le nord-est en perdant de son intensité. D'ici demain matin, le temps devrait s'améliorer. La tempête a fait beaucoup de dégâts ici. Ils l'ont pas dit. Marguerite, j'ai trouvé une autre. Bizarre. Oh. Oh, elle est si jeune. Ouais, comment va l'autre fille? Elle dort, la pauvre enfant. On n'a qu'à les garder ici quelques jours, au moins jusqu'à ce qu'on puisse les ramener en ville. Zoé, va chercher des vêtements propres dans la buanderie, tu veux? Oh, elle est recouverte d'une sorte d'huile, ouais, je ne sais pas quoi. Bon. On va lui donner des vêtements propres et un lit chaud. On la mettra dans la chambre de Lucas. Oh merde, on peut pas la mettre ailleurs? Oh Lucas, commence pas, t'as plus besoin de cette chambre. J'ai toujours voulu avoir une auberge. Ton rêve se réalise, on dirait. Mais là au lit, je vais préparer de la soupe. Soir idéal pour une soupe, pas vrai? Pardon, Lucas? Alors pour avoir la vraie faim, regardez bien ce qu'il faut faire. Il faut le regarder, taper son code pour rentrer dans le téléphone. 10-19. Déjà ça pour le savoir, frère. Parce que t'as pas de chance. Si t'as pas regardé à ce moment précis, c'est mort. Tu n'auras jamais la vraie faim pour ce DLC. Donc déjà, j'étais pas prêt de vous la fournir. Donc, il faut aller à la buanderie. La buanderie qui est... Il y a des vêtements propres dans la buanderie. Bien évidemment, vous avez suivi là où on pouvait se voir pour la toute première fois dans l'histoire principale. C'est-à-dire là où il y a les machines à laver, etc., etc. Même la buanderie est américaine. Vous l'aurez noté, c'est juste gigantesque. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Il faut repasser par ici pour se barrer. Pourquoi? Parce qu'au bout de ce tunnel, il y a un petit crochet par terre que j'avais même pas vu la première fois que je l'avais fait. Vraiment, les gars, pour avoir la vraie fin... faut soit se réveiller très très tôt, soit avoir vu déjà une soluce quelque part sur internet ou autre, c'est mon cas. Mais c'était pas évident, vraiment pas évident. Voilà, le crochet ici. Sauf que moi, j'avais fait le chemin dans le sens inverse et donc bah, tu vois pas le crochet quand tu tombes. Donc on a notre crochet, c'est déjà incroyable, n'est-ce pas? Et on a les vêtements. Allez, donne des vêtements propres à cette petite. Pour la petite Evelyne, hein, vous l'aurez compris. Liste de courses 4 œufs du bacon, on s'en bat les couilles. Donc, Evelyne a été emmenée en haut dans la chambre de Lucas.
Ce qui est bien, c'est qu'on revit, voilà. Bah, on revit, il y a 3 ans, l'arrivée de Evelyn et comment ça s'est passé pour la famille. Bah, ça s'est pas très bien passé, hein. Je vais pas vous spoiler, mais vous savez ce qui s'est passé. On a vécu l'histoire principale ensemble. C'était pas méga fou. Donc, grâce au crochet qu'on a trouvé, on va pouvoir ouvrir ce tiroir qui nous donne un petit composant. C'est le bordel, hein. C'est le bordel, mais si tu sais pas ça, gros, moi je savais pas. Je savais pas que fallait récupérer un petit composant à gauche à droite. Vous allez voir, hein, je vais faire comme si je le vivais entre guillemets pour la première fois, mais c'est terrible. C'est terrible. Donc c'est parti. Ma puce, tu peux la laver et lui donner des vêtements secs. Je vais au hangar à bateau, voir s'il est toujours à moitié inondé. Oui, papa. Pauvre famille. Pauvre famille. Alors, on a un petit composant, d'accord ? Mais il faut surtout pas aller voir Evelyn pour l'instant. Non, 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 non. Faut aller dans le... Comment t'appeler ça ? Faut aller dans la cachette secrète de Lucas. Avec ce petit composant dans le trophée, hein, vous l'aurez compris. Pour allumer son ordinateur avec son code. Vous avez vu ? À quel point c'est recherché ? Tout le reste, les gars, vous allez voir. Hein, ça se passe normalement. Vous allez rien louper. Mais déjà, pour avoir réussi à faire ça, c'est chaud. Alors, on a un petit mot. Zoé, je t'ai déjà dit de ne pas mettre tes sales pattes sur mon ordi. Alors, grand dadais, on est jaloux de mes talents de hackeuse? Oh là 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 là, ça se prend pour un hacker d'avoir regardé Lucas taper son code sur le mobile. Donc, on est parti. 10, 19, entrée. Yes. Voilà, ce qui nous donne juste un fichier à lire. Allez vous faire foutre, édition octobre 2014. 1, 10, le vieux m'a encore mis une tarte parce que je jouais avec mon téléphone pendant le dîner. Va te faire foutre. 3, 10, je peux rien dire sur la bouffe de maman. Tant qu'elle me gueule dessus, va te faire foutre. Tout ce que j'ai dit, c'est mater Zoé pendant qu'elle faisait son yoga. Et maintenant, elle me traite des pervers. Va te faire foutre. Le vieux s'est encore bourré la gueule et a commencé à foutre mon bordel dans la boîte à outils de la véranda. Va te faire foutre. Voilà. Il fallait lire ceci pour pouvoir ouvrir encore autre chose. C'est hyper complexe. Hein. C'est hyper complexe, mais c'est le seul moyen d'avoir la vraie fin. Donc là, c'est parti. On va voir Evelyn. Et on va découvrir un petit peu comment ça s'est passé. Evelyn, je t'ai apporté des affaires propres. Ok, petite. Je vais te nettoyer ça. Ils sont à moi. Quoi ? Ok. On se retrouve donc dans le noir complet. Donc c'est parti, les potes. On va retourner tout simplement dans la salle à manger. Papa, il y a une panne de courant. Moi, je fais la foudre est tombée. Alors attendez, bougez pas. Je prends un petit peu d'avance. Ah, on peut pas. Bien joué, vous êtes malin. Vous verrez plus tard. D'accord. Ok, ok. Donc on est parti direction la salle à manger. C'est la première fois que je fais cette vraie fin. Il y a plein de choses que j'avais pas fait au début. Ok, je me souviens plus. Oui, c'était bien dans la salle à manger. Oui. C'était quoi ça? Bien évidemment, comme d'habitude, hein. Mettez casque écouteurs. Lucas? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? On la respire. Là, le pied, pourtant, okay. Je ne l'avais jamais remarqué. Marguerite est déjà en mode cinglé. C'est quoi ce bordel? Je sais. Putain. Tu as raison. J'avais oublié ça. C'est toi, maman? Zoé, viens voir. Viens voir son don. Regarde tous les trésors que ma petite fille m'a donné. Maman! Oh, non, non. Embrasse-moi, chérie. Marguerite, qu'est-ce que tu prends? Cours au garage. Au Vulcan, dépêche-toi. Ok, les gars. On cavale au garage. Oh, cette fille est des nôtres maintenant. Nous sommes sa famille. Mais tu vas me lâcher, oui. Grosse ambiance, en tout cas. Me pousse pas à faire quelque chose que je vais regretter. Maman. Putain, mais qu'est-ce qui se passe?
La mauvaise fin, c'était qu'à un moment, on avait les clés de voiture. On devait passer sous le rideau. Jack nous suivait et rentrer dans la voiture. Faut que je trouve cette corde. Et c'était tout simplement la mauvaise fin, voilà. C'était clairement le mauvais scénario, mais bon, c'était mon scénario au début. Mais là, vous avez vu, c'est tellement compliqué de faire la vraie fin du premier coup. Ça relève plus de la chance qu'autre chose, rien que d'avoir zioté sur le téléphone dès le début, c'était quand même assez chaud. Donc on va apporter la corde au vieux. Je sais pas ce qu'il veut faire, il veut peut-être la pendre d'ailleurs. C'est pas aussi grave que ça en a l'air. Faut se purifier pour se rapprocher de Dieu. Et ta mère est à deux doigts de la rencontrer là. Elle veut que je fasse ça. Je dois lui montrer que je suis dévoué. Elle veut qu'on lui montre tout notre amour. Tu veux pas la décevoir, pas vrai? On peut pas faire ça. De qui est-ce que tu parles? Ta nouvelle sœur est vive. Ok, c'est parti les gars. Direction papa. La salle du billard. Hop. Oh putain. Faut que je me tire d'ici. Ensuite, c'est pas terminé. Je sais pas si j'aurai le temps pour récupérer la fourchette. Zoé, ouvre cette porte. Normalement, je suis large en time. N'approche pas. Oh putain, allez, plus vite, Zoé. Hop, et de une. J'ai peur. Plus vite. De deux. Allez. Autant vous dire que moi je suis passé extrémiste parce que je savais pas qu'il fallait mettre la corde à la porte. Je savais pas qu'on pouvait le bloquer. Et ça rentre pile poil à une seconde près. J'avais réussi à passer. Bon, Jack là il peut plus me follow. Donc regardez bien à quel point c'est vicieux. Hein. Là c'est le chemin entre guillemets classique. On peut ouvrir par ici. Hop, ça dégage. Oh, pauvre Lucas, frère. Fallait passer par ce petit trou que j'avais jamais vu, hein, bien évidemment, et ouvrir cette boîte à outils. Mais le seul moyen de l'ouvrir, c'était d'avoir fait tout ce qu'il fallait faire avant sur le PC, d'avoir vu le message de Lucas. Si tu n'as pas lu le message de Lucas sur le PC, quand il dit justement boîte à outils va te faire toutes les couilles au bord de l'eau, et ben c'est cuit. Donc c'est parti. Hop, on va éteindre. Faut que je me tire d'ici. Ok. Zoé! Oh là! Qu'est-ce qui t'arrive? Donc là, on a Marguegueux. On va la laisser monter, il faut juste que j'atteigne cette porte. Elle est tellement adorable. Saloperie. Comment je vais faire? Faut que j'arrive à atteindre cette putain de porte, les gars. Allez. Elle est complètement chtarbée. Tu vas me rendre dingue. Ok. Hein? Elle m'a vu? Je crois qu'elle me suit. Elle me suit. Zoé! Ah non. Oh putain, j'ai eu tellement peur. Oh putain, j'ai eu tellement peur, j'étais quasi sûr qu'elle me suivait. Es-tu là? Mais c'est pas vrai. Comment je peux faire? Ce n'est qu'une orpheline, Zoé. On doit veiller sur elle. Mais c'est pas vrai, les gars, putain! Je suis pas bien, là, elle me met en stress. Dégage, casse-toi de là! Zoé!
rien à foutre, j'y vais. J'y vais. Zoé! Non! Non! Oh putain, sacré zoom, hein. Je suis désolée. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Oh, non. N'approche pas! Ah, laisse-la tranquille! Ah, ne fais pas de mal à ma famille! Je comprends rien, maman. Qu'est-ce qui se passe? Tiens! Prends-la! Prends-la! Ah, Ok, elle m'a donné les clés de voiture, mais la voiture, on s'en bat les couilles, parce que c'est une mauvaise fin, justement. Je vais chercher de l'aide. Il faut mettre la tête qu'on a chopée, qui est où? Qui est ici. Sortir dehors. Est-ce que j'y arriverai? Oui. Je peux allumer là ou pas? Et aller à la caravane. Et c'est la fin de notre DLC. C'est comme ça qu'on a réussi à échapper à sa propre famille, qui est littéralement contaminée, n'est-ce pas? D'accord, ça donne la chair de poule, ceci explique cela. Ok. Cher Baker, vous m'avez sauvé la vie et je vous en suis reconnaissante. Pardonnez-moi, mais vous devez m'oublier. On m'a chargé du transport d'une cargaison très importante dans ce bateau. En entrant en contact avec moi ou en approchant cette cargaison, votre famille court un grave danger. Ne cherchez pas à contacter la police ou les autorités. Faites comme si vous ne m'aviez jamais rencontré. Vous m'avez sauvé, je... vais donc vous donner un conseil en échange. Si vous voyez une petite fille d'une dizaine d'années près du navire, ne vous approchez surtout pas. Si elle vous adresse la parole, fuyez aussi vite que possible. Essayez juste de ne pas la mettre en colère. Si jamais vous vous sentez malade, alors j'ai bien peur qu'il soit déjà trop tard. C'est quelque chose d'atroce, bien pire que la mort. Aucun hôpital ne sera en mesure de vous soigner. Je suis sincèrement désolé. Il reste cependant un moyen d'arrêter ça, un sérum. Si vous parvenez à l'injecter, vous... Ok. Les lettres sont tellement déformées qu'il est impossible de lire. La suite. Quoi? Là par contre, jusqu'ici, je connais pas. Faut se retourner. Ah oh putain! Je m'y attendais parce qu'on pouvait pas faire le retournement rapide, justement. J'ai dû m'endormir. Tiens, regardez qui est enfin de retour. Réveille-toi et sens-moi ce jus de chaussette, Zoé. Lucas. Ça va, ma chérie? La nuit a été mouvementée hier avec cette tempête. Ça va? J'ai fait un rêve complètement dingue. Il y avait une petite... Bien, après le petit déjeuner, Lucas et moi, on va voir si la tempête a causé des dégâts. Vous deux, vous feriez bien de faire le tour de la maison. C'est une bonne idée, Jack. Vous vous souvenez du dernier ouragan? Oh, on pensait avoir eu de la chance, sauf qu'à la pluie suivante, bonjour les dégâts. Coucou, grande sœur. Ok. Ça, j'avais pas vu. Zoé doit maintenant mener un combat pour sa survie. Elle passera ses journées à la recherche du sérum mentionné par Mia dans sa lettre tout en essayant d'échapper aux griffes de sa famille. Les nuits sont marquées par les banquets funestes de la famille et le corps d'Evelyn se détériore au fil des mois. Zoé finira par faire la rencontre d'Ethan, son seul espoir pour trouver le sérum. Mais ce jour est encore lointain et c'est ainsi que commença l'horreur. Pendant 3 ans, elle court pour chercher le sérum et mettre bien... à l'arrivée d'Ethan. C'est quand même incroyable. C'était très sympa de revivre ce moment, en tout cas. Enfin, de le vivre, tout simplement, parce qu'on s'était, on savait pas ce qui s'était passé. Et maintenant, on sait comment Evelyn est arrivée dans cette maison. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire, et on se retrouve très bientôt pour la suite des vidéos interdites. À bientôt, tout le monde. Ciao, ciao.